Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans cette petite vidéo, je vais vous faire la présentation des prochains tutoriels qu'on va découvrir sur cette chaîne. Étant donné que sur le forum de Raison France, on m'a demandé de faire des tutoriels sur le mix et le mastering, en plus de la découverte complète de la table de mixage de Raison, on va voir différents equalizers et préamplis qui vont nous être relativement utiles pour pouvoir faire notre mastering. Donc, on va voir la suite de plugins de chez Arturia, des préamplis. Donc, il y a le 1973 pré, le Trident pré, ainsi que le V76 pré. Ce sont trois préamplis equalizers qui viennent de table de mixage de Les Andes et qui ont été émulés par Arturia. On va voir aussi Ozone 8 Element, un excellent plugin qui va nous permettre de faire du mastering. Dedans, on a un equalizer 8 bandes, ainsi qu'un imageur et un maximiseur. On va avoir l'occasion de découvrir le Firefly, un bus compresseur qui vient de chez Soundspot, ainsi que le Puncher, un excellent petit compresseur très facile d'utilisation. On va voir aussi le Sphere Comp, un compresseur qui va nous servir aussi bien pour les instruments que pour mettre sur des bus ou faire du mastering. Ensuite, on va voir le Glitch Effect dans la série Effet Créatif, donc c'est un effet de chez Soundspot. On va découvrir au niveau Rack Extension le Phase 28 de chez Turn to One, ainsi que le Subcolor de chez Turn to One. Maintenant, on va passer chez Rob Papen. On va découvrir son equalizer 8 bandes, le RP EQ, pour pouvoir faire du mix et du mastering. Et enfin, en effet créatif, on va voir la RP Disto de chez Rob Papen. Après, j'ai encore d'autres racks qu'on va découvrir au fur et à mesure. Ça sera la petite surprise. Dans les grosses nouveautés, on va découvrir le CMI5, le logiciel de chez Arturia qui émule le CMI de chez Fairlight. Donc ça, je vais sûrement faire plusieurs tutoriels dessus parce que ce synthétiseur sampler est réellement très puissant. On va continuer la découverte de la Arturia Spark 2 pour les gens que ça intéressait. On va voir aussi le synthétiseur Spire de chez Rivalfson. Et ensuite, on va repartir dans les rack extensions et on va découvrir une série de racks de chez Rob Papen, le Predator, synthétiseur analogique, classique. On va voir le Punch BD pour créer des kicks réellement surpuissants pour tous les styles de musique. On va voir le Quad, synthétiseur donc de chez Rob Papen. On va voir aussi le RG Guitar Player, donc c'est un instrument virtuel qui va nous permettre de jouer des riffs de guitare, que ça soit acoustique comme électrique. Après avoir découvert pendant l'été les instruments de chez Ujam pour la guitare, on va voir le RG Player de chez Rob Papen. Ensuite, on va voir le Vecto, un autre synthétiseur très puissant, toujours de chez Rob Papen. Maintenant, on va passer chez Robotic Bean. On va découvrir le player euclidien. Et on va voir le synthétiseur sampler de chez Robotic Bean, le Resonance. C'est un excellent rack extension. On va voir aussi le Note Recorder, un petit utilitaire qui va vraiment pas mal. On va voir ça dans le tutoriel. Ensuite, on passe chez Skyrock Music. On va découvrir le Poltergeist, un bon petit synthé, ainsi que son petit frère, le Pulse. Et enfin, chez Svork,
on va découvrir le Nexius et poursuivre l'exploration de l'Oberon. Donc ça nous fait quand même un sacré programme pour cette rentrée, avec pas mal de rack extensions en ce qui concerne Horizon, pas mal de VST aussi. Les démos des VST, je les ferai sûrement directement dans Studio One. En ce qui concerne les rack extensions, on va rester dans Horizon. Et tout ça, ce sera en plus des petits tutos que je vous distille par-ci par-là pour l'utilisation de Horizon ou de Studio One. Je vais relancer aussi une petite série de tutoriels sur MPC Essentiel et MPC 2.2 pour pouvoir améliorer les connaissances sur ces deux logiciels. Je voulais profiter de cette petite vidéo de la rentrée de septembre pour vous dire d'aller faire un tour prestamment sur le site de Boutique Plugin pour pouvoir récupérer gratuitement Ozone Elements. Alors pour ça, il va vous falloir deux conditions. La première, souscrire à la newsletter de chez Plugin Boutique et acheter un petit VST. Donc que ce soit un VST à 1€, 5€, peu importe le VST, à partir du moment où vous souscrivez à la newsletter de Plugin Boutique et que vous achetez un plugin, vous allez pouvoir récupérer une copie gratuite d'Ozone Element 8. Alors après, sur le site Plugin Boutique, vous avez le Vacuum Pro à 1€ en ce moment, excellent synthétiseur de chez R, l'Hybrid, excellent synthétiseur de chez R que vous pouvez récupérer pour 1€. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a le Glitch qui est à 5€, le Firefly que vous pouvez récupérer, il y a aussi le Twist, c'est un synthétiseur de chez Sonyvox que vous allez pouvoir récupérer. KVR 331 Audio a fait le player Synthmaster qui est à environ 3-4€. Vous allez pouvoir le récupérer. Il y a 1700 presets à l'intérieur. C'est une très bonne occasion. Ta ta ta. Vous avez le Little Clipper. Donc c'est une sorte de petit limiteur qui est à 1€. Très efficace, très propre. Vous pouvez aller le récupérer. Donc pour pouvoir avoir votre plugin de chez Isotope, il y a plein de plugins pas chers à récupérer. Et aussi, par exemple, là, on voit bien le Puncher qui est jusqu'au 1er octobre au prix de 10€. Donc voilà pour cette petite présentation de bons plans et des futurs tutoriels qu'il va y avoir sur ma chaîne pour cette rentrée. Pensez bien à télécharger vos packs de samples, lâchez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, pensez à sélectionner la cloche si vous vous abonnez, faites grandir la communauté, pensez à partager les liens des vidéos sur tous les réseaux sociaux, et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des ABC du Beatmaking. Salut, salut, à bientôt.